la peau et les os. Unité 4, les fantômes du métro. Leçon 4, rêve de révolte. Jean Dugommier frappe à la porte du propriétaire de son immeuble. Ce matin, dans sa boîte aux lettres, il a trouvé 4 enveloppes. La première contenait son impôt sur le revenu. La deuxième était une facture de gaz et d'électricité. Il y avait ensuite sa taxe d'habitation et son loyer. Impossible de payer tout cela. Alors Jean Dugommier a décidé d'aller voir son propriétaire pour lui demander un délai de paiement pour son loyer. Je vous en prie, il est nécessaire que vous m'autorisiez à payer plus tard. Je regrette, c'est impossible. Vous savez qu'il est urgent que je fasse réparer l'ascenseur. Alors l'argent des loyers m'est indispensable. Soyez compréhensif, j'ai 4 factures à payer aujourd'hui. Ce n'est pas mon problème. Vous auriez dû prévoir ces dépenses. Débrouillez-vous. Bon. Allez, je vous donne 15 jours de délai, mais pas plus. Le métro entre dans la station Bastille. Des images de révolte reviennent à la mémoire de Jean Dugommier. Le métro entre dans la station Bastille. Des images de révolte reviennent à la mémoire de Jean Dugommier.